Bon, les gars, je ne sais pas vraiment si parfois certains font certaines publications pour se faire voir ou bien c'est pourquoi je ne sais pas. Nous tous, nous sommes restés sur Facebook. Cette publication que vous voyez en image est venue nous trouver. Une publication de Robinson Pifo. Il a posté ça. C'était la période où Gando Piqueur avait pris la route avec son équipe pour aller supporter les Lions en Côte d'Ivoire. Ils étaient en chemin. Quand les gens criaient que non, c'est pas normal, c'est quoi ça? Il a fait ce post pour dire son boss, vous le connaissez, le milliardaire, et lui, ils étaient à la recherche de Gando Piqueur. Ils voulaient entrer en contact avec Gando Piqueur, comme vous lisez là. Le post est encore sur sa page. Mais ils ne parviennent pas. Il nous a rassuré qu'une fois que Gando sera en Côte d'Ivoire, ils vont prendre les responsabilités. Ils vont prendre charge d'un Gando. Mais les amis, j'ai été surpris hier de voir un direct sur la page de la baronne de Suisse où Gando était en larmes. Gando se plaint qu'ils n'ont pas de vie en Côte d'Ivoire. Que depuis qu'ils sont arrivés à Yamoussoukro, ils sont devenus les SDF. Sans domicile fixe. Aujourd'hui, ils dorment ici, demain, ils dorment là-bas. Ils n'ont pas de vie. Le gars était dépassé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Et c'est le poste, ce qui est venu d'abord en premier dans ma tête, c'est le poste de mon frère Robinson. Le type, nous avait dit que une fois que Gando sera en Côte d'Ivoire, ils vont prendre charge d'un Gando. Donc, comment aujourd'hui Gando peut faire ce genre de déclaration? Ça m'a un peu inquiété. Chers frères, Robinson, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Et j'ai encore vu une autre vidéo où Gando est avec ses gars, il dit qu'ils sont plus de 15, devant l'hôtel où séjournent les lions indomptables, où sont logés les lions indomptables, qu'ils attendaient les lions. C'était le jour du match. Donc le gars dit qu'ils n'ont pas eu de ticket pour aller supporter les Lions face au Sénégal. Donc le jour, les gars étaient là, ils attendaient le retour des Lions après le match pour montrer aux Lions que voilà comment nous on vit ici en Côte d'Ivoire. Aïe, Adama, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai failli couler même les larmes quand j'ai vu ça. Mais comment quelqu'un peut avoir autant d'amour pour son pays et il souffre comme ça? Ce qui m'a le plus fait mal, c'est que dans sa vidéo, il dit que, parce que parfois on juge certaines personnes sans bien les connaître ou bien sans connaître leur vie, il nous fait comprendre, la vidéo est sur la page de Baron de Soupe, vous allez écouter, il nous fait comprendre que les gens ont tendance à croire que ces multiples voyages qu'il a fait par le passé, c'était les subventions, il était financé et tout. Il y a eu plusieurs voyages qu'il était subventionné et d'autres que lui-même, c'était son propre agent. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il dit qu'il n'a jamais reçu une subvention de 500 000 francs. Ou bien il dit plus de 500 000 francs. Un truc de ce genre. Et quand nous, on faisait, moi, quand je faisais ma sortie, il me disait que Gando a eu des millions. Il dit que toute sa vie, il a sacrifié toute sa vie pour le ver rouge jaune, pour les lions indomptables. Pour supporter les lions. Des voyages qu'il faisait à ses propres frais. Il paye son billet d'avion, il paye son séjour, il paye tout. Voilà qui s'est sacrifié encore cette fois-ci jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo là où vous voyez Gando assis comme ça. La caméra arrive sur lui, le gars, le monsieur, le père est fini. Il est fatigué. Même parler, c'est pas facile. Je vais mettre en bas de cette vidéo le numéro, son numéro, il a dit qu'on peut lui faire le dépôt par Western Union ou bien Mobile Money, Orange Money. Je vais mettre son contact en bas de cette vidéo pour ceux qui veulent venir en aide. Parce que c'était l'objectif, le but de la vidéo de Baron, de venir en aide à Gando Piqueur. Donc ceux qui peuvent soutenir Gando, vous allez contacter Gando via le numéro que vous voyez en bas de cet écran. C'est terrible de voir un truc pareil. Je vais chuter ma vidéo en vous présentant
ce grand homme, ce grand monsieur que j'ai fait sa connaissance il y a de cela quelques jours dans un hôtel de la place. Il installait les caméras. Quand je suis arrivé là-bas, on me présentait l'hôtel pour faire la com de l'hôtel. C'était un R plus 4. Le monsieur installait les caméras. J'ai vu seulement sa façon de travailler. J'ai invité le monsieur à venir installer également les caméras dans mon nouveau laboratoire que je viens de créer. Je viens de mettre sur pied à Ekounou. Le monsieur est tellement fort. À partir de votre téléphone, peu importe même le pays, même si vous êtes en France, en Chine, je ne sais pas, au Canada, vous pouvez contrôler vos entreprises à distance. C'est-à-dire qu'il installe les caméras et il installe un système dans votre téléphone qui vous permet de contrôler vos caméras de surveillance, de contrôler vos entreprises. Oui. Contacter, voilà son numéro en bas de l'écran. Même si tu as quelle entreprise, même si tu as quel hôtel, même si tu as quel bâtiment, tu veux installer les caméras de surveillance, contactez le monsieur. Si il est très efficace, il vous dit c'est un génie. Oui, c'est un génie. Il est trop fort. Les caméras qu'on installe parfois en une semaine ou en quatre, il a installé les caméras dans mon laboratoire comme ça en deux jours. Deux jours. Donc, contactez-le. C'est moi qui vous conseille ce monsieur. Je dis, il est très fort. Les amis, il y a une promotion que j'ai lancée au laboratoire Photo Vision Pro. Donc, tous mes projecteurs, vous voulez laver les photos, venez, c'est 200 francs. Allant de ce jour, le 22 janvier aujourd'hui, au 10 février, vous venez laver vos photos dans vos smartphones, tablettes, téléphones à 200 francs. Et les photographes, pour ceux qui viendront tirer les photos chez moi, 100 photos, on vous offre 10 photos gratuites ou bien un tirage 30-45 gratuit. J'espère que le message est passé. Je vous attends au laboratoire Vision Pro situé à Ekounou. C'est à 200 mètres du carrefour Ekounou en descendant en allant à Carrousel à votre droite. Et si vous venez du côté de Carrousel, c'est à 400 mètres juste après la grande pente, la colline là, à votre gauche. Je vous attends nombreux. Venez soutenir Franco Le Mignon. Bienvenue au laboratoire Photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.